Yo tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour notre let's play sur Dragon Quest Builder. Alors du coup, ça fait un petit moment que j'avais pas tourné du Dragon Quest. Donc du coup, je me rappelle plus exactement pas où on en est dans l'histoire, mais alors attends, là, je suis ici. Ouais, c'est ça, voilà, il fallait que je fasse des comment ça s'appelle, des ailes de chimère, ouais, il fallait que je fasse des ailes de chimère, ça, je viens de me rappeler. J'étais allé là-bas avec la boussole, et du coup, maintenant, je fais des ailes de chimère. Ouais. Par la déesse, c'est une aile de chimère. Elle est exactement telle que les chroniques de Cantelin la décrivent. Ça ne fait plus aucun doute, hein. Tu disposes du pouvoir de la construction perdue il y a si longtemps. Tu es bien le bâtisseur. Bah oui, pourquoi? Depuis que nous avons perdu la lumière et que le royaume a été plongé dans les ténèbres, le peuple Alfgar attendait ce jour. Le jour où la bienveillante Rubis entravait le bâtisseur pour nous sauver. Ok. Gaëtan, mon enfant, il t'a suffi de toucher une plume de chimère pour savoir ce que tu pouvais fabriquer avec elle. Cherche de nouveaux matériaux et parle à ceux qui t'entourent, ainsi tes connaissances ne cesseront de se développer. Okay. Sois toujours à l'affût de ce qui tourne, mon enfant. Si tu devais voir quelque chose que tu ne connais pas encore, récolte-le sans faute. Et toi, mon jeune ami, deux tâches capitales nous attendent, toi et moi. Pour commencer, il nous faut terminer la glorieuse reconstruction de la ville, jadis florissante de Cantelin. Ensuite, nous devons lever le mystère de la terrible tragédie qui a provoqué l'effondrement de la ville. Cet endroit était autrefois entouré de redoutables fortifications, de hautes tours et tourelles destinées à tenir les monstres à distance. On raconte même qu'un immense golem veillait alors sur la ville, assurant la sécurité de tous ses habitants. Mais ces places fortes et ces remparts ont été totalement rasés, et il ne reste de Cantelin que des ruines. Comment cette ville a-t-elle pu connaître un destin aussi tragique? En tant que fils de Cantelin, j'ai l'intention de résoudre ce mystère et de découvrir ce qui est arrivé à mes malheureux ancêtres. Je suis sûr qu'avec tes pouvoirs et mon livre, ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité ne soit révélée. Bah, je pense. On compte tout sur toi, Yétan, et moi. D'accord? D'accord, des petites branches cassées. Alors, je vais parler à la personne un peu plus tard parce que là, il s'agit juste en parler. Alors on va essayer de casser les blocs là. On va un petit peu construire, hein, parce que là sinon on va pas avancer, parce que de toute façon les personnages vont tout le temps parler, voilà quoi. Alors là, j'ai envie de dire, c'est pas très ouf, hein, ce que je fais, mais vous allez voir, hein, vous allez voir. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah,
je ferai quelque chose qui va faire en sorte que. Donc, vous voyez cette bouse là, ça ressemble à rien à cet endroit. Et ben, vous allez voir en fait que cet endroit là ressemblera à un endroit très chaleureux. Et parce qu'en fait, je sais exactement qu'est-ce que je vais fabriquer dans cette zone. Hein. Parce qu'il s'agit que j'ai déjà fait plusieurs fois ce jeu. Hein. Donc, je sais exactement comment me débrouiller. Hein. Donc, on va faire les fondations. C'est-à-dire que juste ici. À peu près juste là, vous voyez là, on sort pas de la zone de donc là on peut encore casser un bloc. Vous voyez, encore on fait un bloc. Là on est encore dans la zone. Donc là il s'agit que là, voilà, je casse deux blocs. Là. Alors qu'est-ce que, alors cette zone là, c'est-à-dire que cette zone là, c'est le coin de la base. C'est-à-dire que toute cette zone sera creusée. C'est-à-dire que je vais faire un immense trou, pour dire. Pour l'instant, je peux pas casser ces blocs. Pour l'instant. Je me dis pour l'instant, je peux pas casser ça, mais bientôt, je vais pouvoir le casser. Donc, du coup, je vais pouvoir bien avancer. Pour l'instant, on peut pas le casser. Donc, j'ai envie de dire. Et on peut pas le casser. Donc, je le laisse pour l'instant. De toute façon, je peux pas l'enlever. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore des bonnes armes. Voilà. C'est pas grave, hein. De toute façon. Bon bah ça j'en étais à peu près sûr que ça allait se casser. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc là on fait tous les coins comme ça. Parce qu'en fait il s'agit qu'ici il y a un trou parce que je vais mettre une porte. Hein. Parce qu'en fait il s'agit que l'entrée et la sortie ça se fera par là. Hein. Voilà, pour dire. Donc là j'ai un petit peu de construction comme ça on n'a pas trop de dialogue hein. Parce qu'il s'agit que les personnes elles parlent tellement que bah on peut y passer tout l'épisode hein, voilà quoi. Donc là on a 32 de terre, je m'en rappelais même plus qu'on avait 32 de blocs. Alors est-ce que si on est bon, oui si on est bon. Bon ici il faut juste que je fasse ça en fait. C'est un petit repère pour moi en fait. Alors là ça va jusque là. Attendez. Ah non mais là. C'est ralenti ce machin. On peut pas casser ça. Non, c'est pas grave, on peut pas le casser. C'est un petit peu sûr qu'on peut pas casser ces trucs. Bon, je construis un petit peu, même si je peux pas tout casser les blocs, c'est pas très grave. Hein. Voilà. En tout cas, là, on a fait ça. Donc là c'est les fondations. Donc quand je pourrais casser tous les blocs, quand je pourrais casser ces blocs là, je le ferai après, ne vous inquiétez pas. Je vais me refaire une petite arme. Ouais ça je peux pas non plus. Ouais, je vais me refaire une petite arme. Non. Est-ce qu'ils ont déposé des trucs à l'intérieur du coffre hein? Ah ils ont déjà mis des trucs dedans. Pas mal. Pas mal. On va refaire ça. On va refaire une arme. Pour l'instant on en fabrique une. Après on en fabriquera plusieurs. C'est juste que ça va se casser très vite. Hein. Est-ce qu'on peut faire des portes hein? On peut même pas en faire, c'est pas la peine. Mais bon, on n'a pas assez de matériaux pour fabriquer des portes. Hein. Bon, on en fabriquera plus tard parce qu'ici, de toute façon, on peut pas casser ce bloc-là, donc c'est gênant. Ne vous inquiétez pas, hein, là, ça ressemble à rien, mais ne vous inquiétez pas qu'après, ça ressemblera à quelque chose. Hein, en vrai. J'ai cassé un bloc-là. Enfin,
Au début du jeu, on n'est pas hyper fort, c'est en gros, on n'a pas d'armes très puissantes, mais vous allez voir qu'après, on va avoir des armes à peu près cheatées, on va dire. Pas vraiment cheatées, mais en tout cas, on va en avoir beaucoup là, après d'armes. Pour l'instant, on n'a pas d'ennemis, on n'a rien, on est un peu tranquille, on va dire. Par contre, le jeu ne m'a toujours pas appris à faire bouffer une cuisine. C'est-à-dire que là, si on gaspille trop d'énergie, on va avoir faim. Déjà ça, donc voilà, là vous avez à peu près la base de la base en fait. On va parler à mademoiselle. Bonjour Eve, tu sais quoi Gaëtan, j'ai tellement faim que je pourrais manger un gluon. Donc vous voyez, hein, vous avez dit en fait on va, moi je me suis dit bah si on a faim qu'on va faire, bah on va le prendre, elle va nous faire apprendre comment fabriquer une cuisine. Vous savez, vraiment, ça creuse hein, vraiment d'inventer et fabriquer. Alors je me suis dit si on avait quelque chose pour faire la cuisine, on pourrait préparer des plats délicieux et nourrissants. Ouais, exactement. Qu'en dis-tu ? Crois-tu que tu serais capable de fabriquer un appareil qui nous servirait à faire la cuisine ? Si tu as une idée, place cet objet dans une pièce avec un coffre afin d'y ranger des plats délicieux que nous cuisinerons. Donc voilà, construis-nous une pièce dans laquelle cuisiner. Bah ouais, moi je veux bien. Et ben voilà, un tournebroche. Bah, c'est pas mal. Donc comme je vous ai dit, la cuisine, on va la mettre ici. Donc. De toute façon, j'avais déjà tout préparé, tout pensé à l'avance, tout j'allais fabriquer. Alors là, donc le tournebroche, c'est ce qu'il nous faut. Ah, il nous faut plein de trucs encore. Donc déjà, il faut un peu de camp. Hein. Il va falloir tuer des ennemis. Bonjour les ennemis bleus. Je peux vous tapoter ? Alors pour l'instant, on n'a pas des ennemis hyper puissants, mais alors vous allez voir après. Ouais, y'en a pas d'autres qui se rappliquent, bon on va se parer là. Moi j'aime bien la musique hein. Ah oui c'est ici. À chaque fois je me trompe, je sais pas pourquoi c'est là-bas. On fait un pièce ça déjà. Ah j'en ai déjà bien, ça. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des branches cassées. Donc il nous manque des branches cassées, des herbes feuilles. Bon. Eh ben on va faire une petite trique. C'est parti pour... Allez, on va faire une petite récolte. On va faire une petite récolte. Ah, la nuit tombe, c'est pas très bien ça. Tiens, il y a un... des bons champignons. Donc, il y a beaucoup de branches cassées par là. On va se faire plaisir. Hein. On va se faire plaisir. Hein. On va récupérer un petit peu parce que ça dit que sinon on n'aura pas assez. Là on a des petites qu'on s'appelle des prunettes. On va manger un petit peu parce que sinon je vais mourir de faim. Moi. Pour l'instant je peux pas manger autre chose que ça hein, pour l'instant.
Pour l'instant, je sais pas manger autre chose que ça, mais après. Ouais, la maison est là-bas. Ça fait un peu peur là maintenant qu'il fait noir. Hein. Voilà, comme ça on est bien là, on est restauré. Hop là. En sécurité. Tournebrosse. Ah, j'ai pas assez de place dans mon inventaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir poser là-dedans? On va pouvoir poser le plan d'Ève. Hein, ouais. Pile poil pour placer un coffre à côté. Pile poil à un espace. Ah, on doit faire une pièce vide. C'est vraiment le cas. Alors. Je crois qu'il a fabriqué un coffre là. Oui, il en a fabriqué même deux. On va en emporter un. Voilà, un seul. Il est temps de construire une cuisine simple pour la première fois. Ben, c'est bien. Voilà, donc on a fabriqué une cuisine. Donc maintenant, on peut fabriquer des choses. Voilà, que par exemple ça, par exemple. Voilà, on a fait 13 de manger. C'est bien pas mal. C'est Eve, hein, il faut parler à Eve, voilà. Sapristi, hein. Tu as réussi, tu m'as construit un endroit pour cuisiner. Maintenant, je vais pouvoir mitonner des petits plats exquis. Merci Gaëtan. Et ce coffre est parfait si je prépare quelque chose de très très bon. Je le mettrai dedans pour que tu puisses y goûter toi aussi. Eh ben merci. Allez, on a fait la cave. Bien, bien, bien. Par mes pensées rebondies, il semblerait qu'on ait une cuisine maintenant. Ton imagination m'étonnera toujours. Je me demande si tu es aussi doué derrière les fourneaux. Et si tu me préparerais quelque chose à manger pour voir. Comment? Je n'ai qu'à me débrouiller. Tu as construit une cuisine pour Eve, mais tu ne veux pas me préparer un petit quelque chose sur le pouce. Gaëtan, je te trouve blessant. Je crois qu'on était amis. D'ailleurs, je voulais te dire que j'avais vu des bolets orange très appétissants au bord de l'eau. Je suis sûr que tu pourrais m'étonner. Un plat succulent avec un ingrédient comme celui-là. Trois rations devraient suffire. On est d'accord, mon ami? Gaëtan, mon ami, c'est moi où je déteste, où je détecte le fumet de bolet tout juste rôti. C'est effluves sont une mélodie de senteur alléchante. Par mes babines affamées, je vais n'en faire qu'une bouchée. Allez, donne-les-moi. Vite, vite, vite. Bah bien sûr, je t'ai dit. Miam. Mâchement. Soit. C'est délicieux, Gaëtan. On devrait te rebaptiser le cuisinier. Mouahahaha. De nombreux sujets sont adorables dans les chroniques de Conflin. Les chapitres consacrés à la préparation des repas sains et consistants sont plus particulièrement. Pardon? Tu peux les lire en toi, les chroniques de Conflin, de tes propres yeux? Je suis désolé, Gaëtan, mais. C'est grimoire et un objet inestimable que l'on se transmet de père en fils. Depuis des générations, je ne peux tout simplement pas le confier au premier venu. Sans comporter que cet ouvrage est rédigé dans un
dialecte énigmatique et très ancien. Je ne connais personne capable de le déchiffrer. Le peu que j'en ai appris m'a demandé des années d'études approfondies. Je n'ai malgré tout aucun doute sur le fait que ce livre nous permettra de redonner cette ville sa grandeur passée. Je ne m'arrêterai que lorsque j'aurai percé tous les secrets qu'il renferme. Mais ne t'inquiète pas, mon ami, je ne garderai pas ces secrets pour moi. Chaque nouvelle avancée de mes recherches, tu en seras le premier informé. Et pour ce qui est de ces volets, ça me paraît logique que tu puisses goûter aux fruits de ton travail. Prends ça en gage de notre amitié éternelle. D'accord, on m'en donne un. D'accord, j'en ai donné trois, on m'en donne un. Merci, et bah, du coup, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 20 minutes déjà. Plus de 20 minutes déjà. Une petite sauvegarde pour sauvegarder tout ce qu'on vient de faire, et voilà. On va se dire au revoir et à demain pour la suite de notre let's play. Et merci d'avoir regardé. C'était Solution Trompée, et merci.